Je m'appelle Aurore Donghi, je suis styliste photo. Je travaille pour pas mal de magazines, de supports, de personnalités. J'ai travaillé avec aussi bien Dossé que Claude, enfin MT Solar ou Karine Receveur ou Miss France ou même bien d'autres, Obispo, Shaim, Amir. On ne veut surtout pas faire de différence entre telle Miss ou telle Miss. Pour tout ce qui est ma partie à moi, je ne demande pas les avis des filles, c'est-à-dire qu'on a un directeur artistique, Stéphane Jardy, et Caroline Cavigné, la directrice de production. On dit, il y a Sylvie aussi qui donne son avis, Sylvie Tellier. Et ensuite, on dit, voilà, il y a tous les soirs à 19h, on a une réunion de production. On dit, voilà, demain, on a tel et tel et tel visuel à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment agencer? Et puis moi, j'ai tout sorti sur les portes dans les sacs. Et on dit, tiens, on va faire ça. J'aimerais pouvoir véhiculer le Made in France parce que toujours pareil, c'est Miss France, c'est bien, etc. Maintenant, c'est pas aussi facile que ça parce que toujours pareil, il y a des marques qui acceptent et d'autres pas pour telle et telle raison, parce que ça correspond pas à l'image ou parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens parce que c'est encore une petite marque. Il y a énormément de raisons, donc on est obligé d'élargir le champ d'action. Il y a certes du maillot de bain. Et voilà, parce qu'on veut forcément voir de la peau hein, quand on a un concours de Miss. Et en fait, c'est un peu comme un travail sur un éditorial magazine, mais en x30. Donc il faut que les filles soient tout le temps lookées, mais x30. Alors le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui assistent de star, c'est surtout rester naturel, ne pas se prendre le melon, parce que c'est un métier où on côtoie énormément de belles personnes. Il n'y a pas que le côté strass et paillettes. Il faut surtout pas se la jouer en pensant que c'est en étant plus qu'on sera assise de star. Au contraire, c'est des personnes qui aiment les gens simples, qui se prennent pas la tête et qui vont, comme monsieur tout le monde, faire leurs courses au monoprix en bas, quoi.